Le snowboarder Gary Zebrowski est originaire de Tahiti et c'est pour lui que l'événement Taravana Freestyle a vu le jour. Le concept est simple, amener l'ambiance de Tahiti à 3600 mètres, organiser une compétition et les vainqueurs partent avec lui direction Tahiti. Sympa non? Allez, reportage. Bienvenue au Taravana Freestyle, je vous présente Gaylor Pedretti, l'organisateur de l'événement. Explique-nous le concept de ton événement. Alors, le Taravana Freestyle, c'est l'événement pour Gary Zebrowski, c'est un petit peu le Gary Zebrowski Invitational. Et du fait que Gary soit né à Tahiti, soit un snowboarder, on a voulu mélanger ces deux cultures, le snowboard, le ski aussi, et Tahiti. Donc on emmène des palmiers, des vahinés, du sable et les meilleurs freestylers ici aux Deux Alpes pour l'événement Taravana. Ok, donc contest ski et snowboard, comment est-ce que ça se passe pour les jugements? Alors effectivement, tous les skieurs et les snowboards étaient réunis avec trois juges snowboard, trois juges ski. Chez les skieurs, juste pour citer, il y avait Lolo Fav, Vanessa Coletta et Fabien Meyerhofer, pas les moins bons. Bah, ils étaient blessés, donc ils sont voulus soigner à l'événement. Et on organise ça sous forme de jam session, c'est-à-dire que les riders peuvent partir quand ils veulent. Pas d'ordre de dossard, pas nombre de runs définis. C'est freestyle et ça plaît à tout le monde, donc tout va bien. Alors les photographes font partie de l'événement, ils ont un concours spécialement pour eux. Les pros concourent avec les amateurs et on fait une expo photo. Et le meilleur photographe, il s'envole à Tahiti avec Gary. Ok, les skieurs, snowboarders aussi sont du voyage. Les skieurs, le premier snowboarder du voyage et la première fille aussi du voyage. Ok, merci Gaylor. On va monter maintenant sur le glacier pour voir comment ça se passe là-haut. Pascal Bulgakov, qu'est-ce que tu penses du Taravana? Comment ça se passe pour toi? Le Taravana se passe bien. Moi, j'ai eu la chance de gagner le premier événement où je suis parti à Tahiti. Donc depuis, je viens à chaque fois. C'est mon quatrième. Et l'ambiance est parfaite. C'est l'ambiance des îles. Et le parc est super bien shapé. Il y a des décos qui permettent de faire ambiance Tahiti. C'est l'événement de mon ami Gary. Et voilà, je suis super content d'être ici. Et t'es surtout bien habillé. Ça, c'est la chemise que j'ai achetée quand je suis allé à Tahiti. Alors du coup, maintenant, je la quitte plus. Salut Antoine. Salut. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance du Taravana? C'est un autre état d'esprit, ça nous change de toutes les compétitions qu'on fait et tout, parce que là c'est un peu un melting pot de tout quoi. On a les Tahitiens qui sont là, on court avec les snowboarders, normalement on n'a pas trop de compétition avec eux, donc on fait un maximum de trucs avec tout le monde et c'est vraiment cool. Ok, merci, bonne chance. Merci, à tous. On est toujours au Taravana Freestyle avec Gary Zebrowski maintenant. Gary, c'est ton événement, salut. Salut. Donc explique-nous un peu d'où c'est venu cette idée d'amener Tahiti aux Deux Alpes. Ouais, alors c'est tout simple, je suis originaire de Tahiti. Donc voilà, quand j'ai commencé le snowboard, j'ai percé assez vite dans le monde du halfpipe. Donc après, il y a les Deux Alpes qui mon histoire leur a vraiment intéressé. Ils ont décidé tout de suite derrière de faire un événement et donc le Taravana Freestyle. Ce qui est vraiment incroyable avec cet événement, c'est que donc il y aura un skieur qui va partir, un snowboarder qui va partir à Tahiti, un photographe aussi, puisqu'il y a eu un contest de photos, et une fille. Donc c'est vrai que moi, pouvoir les ramener chez moi et leur montrer un peu les traditions qui se passent, donc comme les danses tahitiennes, les tatouages, gastronomie aussi, c'est vraiment leur montrer comment j'ai vécu. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'ai vécu 12 ans là-bas et tous les jours ça me manque et de pouvoir leur montrer comment ça se passe vraiment chez moi, je suis vraiment heureux quoi.
bien voilà, c'est fini pour cette dernière édition du Taravana Freestyle. Là, je fais pas trop le malin. Direction Tahiti maintenant pour des images de surf.